5, 6, c'est bien pour le tour. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. On regarde un peu plus. En sol. Sur un côté, on prend votre jambe, on laisse les pieds bien parallèles et bien à plat au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on essaie de descendre au niveau des fesses. 7, 8, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on écarte un tout petit peu plus. Allez, on descend. 10. On écarte encore un peu plus les genoux. Allez, écarte moins. Encore, encore. Et même le bras désolé. Hein. Ça écarte bien. Là, les pieds là, on les centre derrière. Les doigts devant. On bouge plus les genoux au sol. Et on vient s'asseoir. Voilà, je sais. Allez, on laisse bien descendre nos pieds. Toujours avec le sourire. Et pour vous faire oublier ce qui se passe en bas, on va occuper le haut. C'est bon? Position de boxe. Directement. Et dès l'instant que vous frappez avec un bras, l'autre vous protège. Direct arrière. Et on essaye d'engager ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et si vous oubliez ce qui se passe en bas, vous allez voir, vous descendez sur le terrain extra. La descente. Allez, on continue. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. On reste comme on est. Il y a juste 100 millions sur le côté. Pose le talon, orteil dans l'escalier, et là on vient s'asseoir. Je vais vous asseoir devant votre pied, mais pas derrière vous. Si vous ne pouvez pas, peut-être que vous pouvez, mais l'idéal c'est de descendre à plat au sol. C'est bon? On repasse devant, on remet le pied au sol, et là on pousse le talon un tout petit peu plus loin que le talon. Quand on l'a poussé, on le planque. On lève le pied, on s'assoit, vous avez gagné 2 cm. Et on s'assoit. Tout le temps avec le sourire. La jambe au sol, maximum tendu. À plat. On repasse devant, et là on finit sur le talon le plus loin possible. Allez, on pousse. Et quand il est loin, 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 on va marquer en pas. On descend. Vous allez voir. À la fin de l'année, vous faites ça, vous allez remonter 4. En principe. Vous essayez de rester bien droit ici. De face. Good. On replante le genou ici. Vous devinez quoi? On fait l'autre côté pareil. Au début, on plante le talon au sol. Et on reste ici. C'est un petit peu de temps à passer, mais l'instant où on veut monter les jambes, il faut avoir un minimum de souplesse. Le motard, il ne demande pas forcément d'être très souple. Tout le monde, c'est l'efficacité, ça tombe dès que ça touche. Par contre, bon, c'est quand même utile de pouvoir bien, si on veut monter au visage, de savoir un peu monter écarté. On pousse un peu encore, hop, on plante, et on descend.
On serre la chaîne de respiration. Vous bloquez ici, vous bloquez tout. Hop, on passe devant. Et là, hop, loin derrière. Voilà. Et là, on le fait comme ici. Juste pour que ça passe mal. Good. Parce que là, on va détendre ses jambes. J'ai vu, hein, c'est que t'as fait. Allez, on va plus de côté. Allez, une sur une frappe. Ça part parce que vous, si vous regardez un peu les combats, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne courent pas. Ils sont tout le temps. Ça va, ouais, c'est bien.
vous êtes capable après la minute de reprendre, de repartir au ballon. Si vous prenez votre combat, vous voulez pas. C'est mort. Vous allez plus prendre les 3 minutes après, vous pouvez aller. Parti, le job. Hey!